בכיף, בוקר טוב, בשם השם נעשה ונצליח. ושמחת בחגך והיית שמח. ושמחת בחגך והיית שמח. La 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 la. Baruch Hashem, on est ce matin dans la soukha de notre ami Aaron et Jessie Bezrat Hashem, qu'on bénit pour ce merveilleux petit déjeuner qui nous est offert. Et le shiur acheté aujourd'hui par Edna Soussan pour un beau bébé en bonne santé cette année. Amen. Shalom Bayit Amiti, réussite pour Jennifer Messaouda, Bat Suzanne Shoshana et son époux Ayaka. Shiskugam le Shalom Bayit, santé Alia Bekarov, Enya Jamila, Michal, Bat Ruti Samra, Sarah et Yohan. Yaakov ben Alia Lilian, bracha ve'atzlacha, chag sameach, moedim v'simcha, rak besmachot, yeshuot, venechamot, ubsorot, tovot. Et on pensera à Be'ezrat Hashem aussi, puisque c'est la askarat de ton papa, Mesaoud ben Fortuné, Yom Kudato, Roi Hashem, Kenachen, Began Eden, Lyon, Echol Shavim, Mo, Vechen Hashem Atov, L'Elef Alfav Dalim, la Ouléric, Louise Bat, Hnina, Shayom Yom Kudata, Roi Hashem Tenachena Began Eden, Georges Elio Besimcha Elish, Julo Yom Tov Ben Yasmin Yadam, Mordechai Ben David Atia, Gérard Grulik, Eli Elman Ben Mazal, Vechen Kol Arishima, Gilbert Victor Chaim Ben Lala, Achnim Rosin Saada, Amram Ben Yaakov Azula, Esason Ben Esther Alevi, Dada Ben Saouda, Bat Esther Sarabat, Chnina Vechen Alze Aderech. On pensera à une grande réfoua Shelema pour notre ami qui se fait opérer, tu m'as dit, Levi Zeligman Ben Naftali Alevi. Ben Tzipora. Ben Tzipora, Be'ezrat Hashem. Aïkar qui reste sur terre, qui ne s'envole pas comme un oiseau. Refoua Shlema, le Moratimi, vient Bet Esther, Sarah, Talia, Bet Efret, Mirem, Ben Rivka, Fitoussi, Yane, Ben Esther. On pensera à René Mahlouf, Ben Sarah, Haya Ruchama, Bet Esther, Haya Ruchama, Esther, Bet Rivka, Léa Baruch Soufan. Oulé. Refoua Shlema, Tzadik, toi, tous les jours, on te cite, on pense à toi. Meir, Ben Rutsoufan, Shoshana, Bet Mesaouda, Nathan Yosef, Ben Yehudit, Nissim, Ben Simcha. Sabah Shmaya Shlomo Ben Johanna Yona Hana et qu'on prenne tous conscience, le Rav Yehudi aussi, Bezrat Hashem de Natania, qu'on prenne tous conscience de l'importance de la bonne santé. C'est une excellente richesse. On demande toute la journée des choses incroyables, mais le plus important, c'est que nous ayons toujours Bezrat Hashem Barach en tête de la richesse de la santé. C'est rien d'être riche si on n'a pas la santé. Et on ne peut pas être heureux si on n'a pas la santé. C'est très difficile. La question qui m'a été le plus posée, d'après vous, sur l'Arbat Aminim, c'est quoi? D'après vous, quelle est la question qu'on m'a le plus posée à propos d'Arbat Aminim? Si vous avez une idée. Est-ce qu'on peut les manger après? Maurice, fausse réponse. Est-ce que les femmes ont le droit de faire le brachot dessus? Non. Est-ce que les femmes ont le droit de faire le brachot dessus? Les sparadiotes? Non. D'après vous. Comme on n'a pas le temps, on attaque directement le sujet du chiour avec l'aide d'Hachem. Pourquoi faisons-nous la bénédiction sur le loulav alors que le etrog est le plus important des Arbat Aminim? Voilà la question qui m'a été posée, si je me trompe, au moins 4 à 5 fois cette semaine par des personnes différentes, dont des enfants. Or, Rav Titou, je peux poser une question. Pourquoi on fait la bracha sur le loulav et pas sur le etrog? Alors que le etrog, comme vous le savez, on en a déjà parlé, c'est le principal, celui qui représente le cœur. Il est tellement exceptionnel qu'il n'est même pas attaché à Arbat Aminim puisqu'il représente d'une certaine façon, le cœur, et le cœur fait vivre tous les autres membres en irriguant le sang vers eux. Et donc, le etrog représente le roi David, il représente la malchoute, il représente la geoula, tout dépend du etrog. Et c'est pour cela que, comme on l'a déjà expliqué, Rabbi Nachman Mibreslev Alav Shalom nous a enseigné qu'on devait prier à Toubishvat, Rosh Hashanah, Yom Kippour, le créateur du monde, pour avoir le mérite d'avoir un etrog. On n'a jamais entendu dans l'histoire des gens qui s'étaient ruinés pour acheter un loulav strictement kasher. Mais par contre, qu'est-ce qu'on a comme récit pour le etrog? Lo Yehuman qui soupare des prix qui montaient jusqu'à 200 000 shekels de l'équivalence d'aujourd'hui, des gens qui achetaient pour 1000 roubles le etrog parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. C'était pas évident de les faire venir du Maroc ou du Yémen. Les Maroc en général sont les meilleurs etrogim, faut le savoir. Ça a été vérifié par le Rav Urbar sur place, ça a été vérifié par d'autres poskim qui sont vraiment l'homme et urkavim, qui sont vraiment etrog à l'état pur. Et ceux du Yémen aussi, aval. Maroc, c'est sûr et certain. Mais la reine, kama olei, kama yakar, on entend des prix jusqu'à 1000 shekels, 1200 shekels, 3000 shekels, le etrog. Des prix qui sont incroyables. Par contre, les loulavim,
Bon, ben, un loulav, il est kacher, c'est toi et ton mazal, tu sais le vérifier, faut qu'il soit droit, faut qu'il y accoura au bout. Vous savez que le Icar, dans ce monde, c'est un bon cœur. À Icar, dans la vie dans laquelle nous sommes, c'est d'avoir un bon cœur. Comme le dit la 13e, 14e Mishnah de Masechet Avot, 2e chapitre, en nom de Rabbi Elazar ben Arach, Lev Tov. Et celui qui a un bon cœur, on a expliqué, parce que c'est la suite du cours qu'on avait déjà fait, on a expliqué que celui qui a un bon cœur, automatiquement, aura de bons yeux. Il a un bon cœur, il a de l'empathie, il ne laissera pas une personne sans faire les fêtes, il a les moyens de pouvoir l'aider. Celui qui a un bon cœur, il n'aime pas faire de peine. Celui qui a un bon cœur, il sait se remettre en général en question, il sait demander pardon. Donc, quelque part, oui, le Icar, c'est d'avoir un bon cœur. Aval, il y a une guerre des cœurs dans l'herbat aminim. Parce que si vous observez bien le mot loulav, c'est écrit lamed vav, l'eau, lamed bet, lève. Ça veut dire que le loulav vient dire, hé, t'es mort, moi aussi j'ai un cœur. Waouh. Et il y a une guerre des cœurs entre les deux. Qu'est-ce que ça veut dire une guerre des cœurs? Aniasbir et Tatsmi Arshav. On peut avoir un cœur merveilleux, être le plus grand donateur du monde, être toujours là pour les autres, et être un homme immoral. Avoir des pulsions animales. Être quelqu'un de sauvage dans sa façon d'aimer. La Gemara nous dit que ceux qui ont un bon cœur, qui ne canalisent pas leur bon cœur, sont des hommes en général qui sont aussi des hommes à femmes. Karmazirim et Adam. D'avoir un bon cœur et de tout construire, celui-là, moi je suis là pour les autres, je suis toujours avec Gnutra Sadim, ça n'empêchera pas de tromper sa femme parce qu'il a un tellement grand cœur qu'il est capable d'aimer aussi les autres. Mais la reine, le Etrog, même s'il est le principal d'avoir un bon cœur, il est en guerre avec un autre cœur, et c'est pas Minastam. On ne dit pas le cœur de la pomme, on ne dit pas le cœur du tapouze, comment on dit tapouze? De l'orange. On ne dit pas le cœur du agace, de la poire, mais par contre on dit le cœur du palmier. C'est bizarre que même en français, ou dans d'autres langues, le Davka Lulav a dans son intériorité un cœur qui est caché. Asbonilmat Beyachad Bezrat Hashem, dans cette guerre des cœurs, que même si le Icar, effectivement, c'est d'avoir le cœur, représenté par la marque du roi David, n'oublions pas un détail. C'est que le roi David, lui-même, représenté par le Etrog dans l'herbat aminim, a été accusé d'une faute qui vient à l'immoral. Même si on dit que Kol Amer David, Chata Eno et la Toé, que si quelqu'un dit que le roi David, eh bien, on se tromperait si on dit qu'il a fauté, même si c'était intentionnellement pour sauver l'honneur de la Shrina, qu'il a pris Bathsheba, le Tehilim 51, Anna Hashem Oshia Na Nun Aleph, nous dit que le prophète Nathan est venu voir le roi David en disant « Baba, t'as quand même fauté ». Le roi David répond à cela « Khatati ». Le Zohar HaKadosh nous apprend que le roi David, le jour de sa mort, pendant 7 ans, il a fait l'aller-retour entre le ciel et la terre pour réparer la faute de Bathsheba. Waouh ! Ça veut dire que même si tu viens me dire que de l'autre côté, le roi David n'a pas fauté, ça lui est tenu pour rigueur. Et quelle était la particularité du roi David ? Son cœur. Et vous voyez que la malchoute du roi David, elle est empreinte du Nazara. Mais il y a un autre roi qui, lui, par contre, a su aimer avec mesure et a su donner avec mesure parce qu'il a un cœur pnimi. Il s'appelle Yosef HaTzadik. Et qu'est-ce qu'il représente dans l'herbat aminim Yosef HaTzadik ? Yosef. Ça veut dire que la malchoute du roi David, c'est le Mashiach ben David. Mais il y a un autre Mashiach. Il y a Mashiach ben Yosef. Et Mashiach ben Yosef, sa particularité à lui, c'est que non seulement il est roi, qui vient libérer une situation, mais dans une moralité, une rectitude du tzaddik, at kedekar shenemar alav tzaddik katamar ifrah. C'est-à-dire que quand on prend le loulav, on est face à un tzaddik. Ça ne veut pas dire que le roi David n'est pas un tzaddik. Il y a kodesh kodashim. Le roi David, la Gemara nous dit, il a commis que 2 fautes en 70 ans. 2 fautes. Nous, on en connaît à peu près 2 par minute, si je ne me trompe. Enfin, moi, je parle de moi. Mais qu'est-ce que 2 fautes sur 70 ans de vie, le Yéhouman qui soupare. Mais la reine, pour comprendre ça, on va rentrer dans une dimension que le loulav possède en tant qu'élément et que le Etrog, lui, ne possède pas. La Gemara nous raconte dans Masechet Yevamot, Bedaf Kuf Kaf Aleph, Maase Meod Me'anien. Alors que Rabban Shimon ben Gamiel était sur une galère en plein océan, les Juifs sont souvent en galère quand ils sont dans la Torah, comme vous le savez, il voit un bateau juste en face de lui,
avec un Talmid Chacham Atsum qui est dessus. Et ce bateau se brise, peut-être sur un rocher ou je ne sais pas. Et il voit de ses propres yeux toutes les personnes du bateau couler. Et Rabban Shimon ben Gamliel déchire ses habits, pleure. Il dit « Oy lanu de Avdin, malheur à nous d'avoir perdu un tel Talmid Chacham. » Et bien entendu, il parlait de Rabbi Akiva. Voilà qu'il arrive à Yavne. Et puis, il s'assoit pour juger une halakha. Comme ça, dit la Gemara. Et ramène le Maharsha d'ailleurs. Et à son étonnement, qui ouvre la porte du Beit Din ? Rabbi Akiva Beatmo Birvodo, qui s'assoit près de lui et sans dire mot, s'assoit pour juger la halakha. Anien. Rabban Shimon ben Gamliel le regarde comme ça et lui dit « Comment t'es là ?» Il lui dit « Isdamen idaf, shelet, mirzaktiba. » J'ai eu la chance d'avoir une planche qui était à côté de moi, planche de bois, quand le bateau s'est brisé. Je me suis tenu à elle et puis j'ai résisté. Rabban Shimon ben Gamliel lui dit « Et les autres, ils n'ont pas pu le faire ?» Il dit « Oui, mais les problèmes des autres, c'est qu'eux ont lutté contre les vagues. » Tandis que moi, chaque fois, je baissais la tête quand il y avait une vague. Le Maharsha nous explique que la Kavana, en réalité, de la question de Rabban Shimon ben Gamliel, c'est pas comment t'as fait pour être sauvé sur le domaine technique. C'est qu'est-ce qui t'a donné dans le ciel le mérite que Dieu t'a envoyé une planche, ça, c'est technique. Dieu, il a des moyens. Si c'est pas une planche, t'as envoyé une cigogne, t'as envoyé un aigle, t'as envoyé, peu importe, une baleine, une orque pour te lever et t'emmener, ou des dauphins pour faire du ski nautique. C'est pas le problème. Dieu, il a tous les moyens. C'est ce qu'il veut. Mais quel mérite tu as eu ? Et là, Rabbi Akiva répond, on explique le Maharsha de Varnifla. Il dit, Kach na'akti kol mechayai, toute ma vie durant. J'ai été toute ma vie humilié. On s'est moqué. On me rappelait que j'étais un fils de converti. On m'a fait beaucoup de mal. Et même quand il a fallu m'élire comme étant nasi de la Torah, quand il y a eu l'embrouille avec justement Rabban Shimon ben Gamliel, Rabbi Elazar ben Elazar, Rabbi Elazar ben Azaria, parce que j'étais fils de converti alors que j'étais le plus sage de tous les Tanaïm, je n'ai pas pu prendre ma place. Mais j'ai toujours été envers un Midotai. Avec toutes les claques que j'ai prises dans ma vie, la mort de mes femmes, le départ de mes enfants, la pauvreté que j'ai eue, la richesse que j'ai eue, tout ce que j'ai eu dans ma vie, je suis resté toute ma vie transparent, keilou, malgré qu'on m'insulte, qu'on m'humilie, qu'on me dit « toi, tu te mets là-bas » parce que je ne me reconnaissais pas, ou autre. Comme dans ce village, quand il arrivait, qu'il a demandé « est-ce qu'on peut m'accueillir ?»« Non, 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 la religion, on ne veut pas de religieux ici, c'est un village qui était anti-religieux. » Il a dormi, vous vous rappelez, avec l'histoire du coq, avec l'âne, avec la bougie. « Ah, où mes alzélim, beau ?»« Ah, mes alzélim, on le basait !» Je dis Rabbi Akiva, je n'ai jamais perdu mon sourire. J'ai toujours laissé les vagues passer au-dessus de moi. Je ne me suis pas arrêté à tous ces détails de la vie. Parce que pour moi, j'ai eu un but, c'est toujours d'étudier la Torah. Et la Gemara nous explique que Rabbi Akiva, en fin de compte, par le mérite d'avoir été quelqu'un qui baissait la tête, ça veut dire qui était mévater, vatran. C'est quoi ton problème ? C'est ça le truc ? Prends-le à écart. Laisse-moi continuer ma Avodat Hashem. Il répond à Rabban Shimon ben Gamliel, c'est ça qui m'a sauvé du tumulte de l'océan dans les vagues. Et les vagues m'ont apporté sans aucun effort jusqu'au rivage. J'ai pris une douche et je suis arrivé pour juger la halakha avec vous. Zibidu Kainyan Shelalulav, le etrog, combien même il peut représenter le cœur, il est en guerre contre le cœur du lulav, le cœur du palmier. Parce que le etrog, on ne peut pas le plier. Le etrog, il est dur. Le etrog, il reste rigide. Il représente la malchoute, mais pas n'importe laquelle. Il représente la malchoute du roi d'Israël en tant que Machar. Et Machar, c'est Midat Adin. Machar, quand il viendra, on passera à la halakhot selon Shammai, non pas selon Hillel. Donc lui, ou le kofef et atzmo. Tandis que le loulav, qui représente Yosef Hatzadik, le Machar ben Yosef, lui, il est souple. C'est celui qui a été jeté dans le puits, qui a été vendu aux Ishmaélim, mais avant ça, aux Midianim, qui est passé d'une maison à notre maison. C'est celui qui est accusé d'avoir fait un inceste extrêmement grave et qui pourtant ne réagit pas, qu'on jette en prison. Il baisse toujours la tête. Quand il est roi, il ne change rien de sa personnalité. Le Yosef qui était en prison reste le Yosef qui est devenu 80 ans roi du pays d'Égypte, vice-roi d'Égypte et dans le monde entier. Mais c'est celui aussi qui a un cœur, aussi grand celui que du roi David. C'est celui qui donne à manger à toute la terre. Et qui sait, par contre, en contrepartie de cela, faire payer les gens non pas par de l'argent, mais par faites la Brit Mila si vous voulez manger. Soyez les gardiens de la Brit Mila. Mais Kanamrou,
Pourquoi est-ce qu'on fait la bracha d'Afka sur le loulav et pas sur le etrog? Parce que le loulav, quand on le secoue, au mitkofef. Le loulav, il nous montre que c'est bien d'avoir un grand cœur, à la condition où tu gardes la moralité de Yosef Hatzadik, et que dans la vie, tu sais aussi baisser la tête, comme le fut le roi David, et comme le fut le roi Yosef Hatzadik, donc ma chère Benjamin, ma chère Ben Yosef, dans le sens où Be'ezrat Hashem, tout comme je vous l'ai déjà dit, quand on prend le etrog et qu'on le serre contre le cœur, le etrog influence dans son énergie à rendre notre cœur un cœur plus doux, un cœur plus aimant, avec plus d'empathie, plus de calme, plus de roga. Tandis que le loulav, lui, quand on le fait, les Ashkenazim, par exemple, ils ne le ferment pas comme nous. Les Ashkenazim, ils le prennent et tu vois le loulav, il fait comme, comment dire, il monte et il descend, hein? Menifa, exactement, comme un éventail, comme ça. Il dit comme ça, il dit comme ça dans la vie, tu es. Omdim kfufim, tsufufim, omishtahavim revachim. C'est ce que nous dit le Chachamim. Celui qui, dans sa vie, est rigide, même s'il a un bon cœur, comme le Etrog, alors omet safouf bahaim, il est tamid caché bahaim. Comme disait Chachamim, fait très attention, Rabbi Nachman, il dit, fait très attention aux principes. Il y a des gens qui ont des principes. Il y a Moutkol Aolam Kulo. Il reste de son. Baba, on a vu que Rabbi Eliezer dans la Masechet Ta'anit, à la Vachalom, quand il s'est mis à pleurer, il a enlevé ses sandales. Fait descendre la pluie. Est venu Rabbi Akiva, il n'a pas enlevé sa première sandale, qu'elle peut être tout de suite descendue, sans qu'il dise un mot. Chachamim pose la question, ils disent, frère, Rabbi Akiva Gadol, mais Rabbi Eliezer, tu vas y aller. C'est pas ce qu'on veut dire. Et là, chez Rabbi Akiva, il y a ma vie, Rabbi Dotav. Ven Rabbi Eliezer ma'avir al-midotav. Rabbi Eliezer, quand il avait raison, il restait rigide, comme le etrog. Tandis que Rabbi Akiva, lui, est comparé au loulav. Rabbi Akiva, lui, a ya'ma'avir al-midotav. J'ai raison, aval la malo. Peut-être que, toi, tant que ce que tu dis, c'est pas anti-alakha. Et la chaîne botkim d'avar nifla. Vous savez que, je finirai avec ça. Quand est venu Rabbi Akiva, la Gemara nous apprend quelque chose d'incroyable. Quand il est rentré au Bet Midrash, c'était pour parler de quoi? Ayudanim al-alakha. Et c'est de ce Gemara dans Masechet Yevamot Kuf Kaf Alef nous parle de qu'est-ce qu'est venu faire Rabbi Akiva au Bet Midrash. C'est pas gratuit. C'est pas, alors, et alakha, et pourquoi pas parler d'autre chose? Ils avaient un problème au niveau d'une Mishnah. Bon Omar, Mishnah qui venait de Raïta, puisqu'à l'époque il y avait encore le Mishnayot, ok? Pourquoi Dafka tu me parles d'alakha? Pour t'apprendre que dans la vie, c'est pas parce que tu es humble et tu sais baisser la tête que tu dois contredire l'alakha. Rabbi Akiva Beatzmo se rejoint à Rabban Shimon Ben Gamiel. La Dounba alakha. Bien, la Gemara nous apprend être humble, ça veut pas dire qu'accepter l'autre. Qui veut faire un chilul Shabbat en disant bon tov tishma imata omer chez zenachon zenachon chaz veshalom ba gmara lelamdenu Rabbi Akiva qui était kofef et atzmo kol hazman ba ladun ba halacha. On peut être humble, on peut baisser la tête, aval halacha, ça restera toujours la halacha. Et c'est pirush hadavar pour laquelle on reste sur la bracha du lulav. Le cœur du lulav est en combat contre le cœur du etrog. La chen lulav otiot lo lev, lui aussi il a un cœur. Seulement, sa différence à elle, c'est que le loulav reste rigide, le etrog reste rigide, tandis que le loulav, lui, par contre, il sait leit kofef. La chen shiniske kulanu à l'image du loulav, bezrat Hashem, d'être humble, de savoir, bezrat Hashem, se remettre en question, d'être quelqu'un qui sait aimer, qui sait donner, mais avec la rectitude de la halakha, d'abord charité bien ordonnée, commence par soi-même. Comme j'ai souvent dit, c'était tout le temps là pour les voisins, réparer les robinets des uns des autres et que chez toi ça coule. C'est un recette qui m'écoule cal. D'abord, tu fais plaisir à ta femme. Après, tu fais plaisir aux autres cuisinières. D'abord, tu t'occupes de toi. Après, tu t'occupes des autres. Mais Zaya, il s'est fait tzadik. D'abord, il est devenu roi. Après, il a donné manger aux autres. Zéperouche, elle va voir que dans la tzidkout, Bezrat Hashem, elle ne doit pas être Mesakseg à l'envers et la Mesakseg l'emala. Bezrat Hashem. Toujours, kivun l'emala l'emata, l'emala l'emata, l'emala l'emata, l'emata l'emala, psilcha, kede l'elamdinu et tzidkout amitit, que d'être quelqu'un de droit et d'avoir un bon cœur. Ce n'est pas que de savoir donner, c'est de rester tzaddik, tout en étant celui qui sait donner avec un cœur pur. D'où le fait que le etrog et le loulav vivent ensemble dans nos deux mains, serrés l'un contre l'autre, pour servir l'intérêt de la fête de Soukhot. Où Bezrat Hashem, on ouvre nos Soukhot, on apprend l'humilité. Je finirai juste avec ça. Savoir aller de kofef et savoir être humble. Le Chachamim nous dit, la fête de l'humilité par excellence, extérieure, c'est la soukha. Et la fête de l'humilité dans son intérieur par excellence, c'est la fête de Pessah. Quand on mange la matzah, ça s'appelle l'Echem Oni, le pain du pauvre. Quand on le mange, on inclut de l'humilité. Attends, comment je rentre dans l'humilité? Tu rentres dans la soukha. Toutes les soukhot se ressemblent plus ou moins, mais on ne peut pas dire qu'une soukha, elle est indigne de Erech Kol Shehu. Ça veut dire que
À part le fait d'être dans la souka pendant 7 jours, qui voudrait acheter une souka dans le Tachlès des choses? Qui voudrait vivre dans une souka? Il n'y a rien dans une souka. On nous apprend que le rendez-vous avec la fête de Soukhot pour redémarrer cette année, une fois qu'on a été pardonné à Yom Kippourim, c'est de travailler ces deux midotes principales. Travaille un bon cœur et sois humble. Bezrat Hashem, à l'image de la souka. C'est ce qu'il y a Yishuot v'Nechamot. Bezrat Hashem. Asacha v'avacha l'kol echad mikem, ceux qui nous soutiennent. Bezrat Hashem, tous ceux qui soutiennent la Torah dans le monde, et que tous ceux qui étudient la Torah, Iskouli Yeshua de Nechamot, de Kolam Israël, de Kolatar Vatar, et Kibbutz Galut Beretz Akodesh, Bezrat Hashem, et Chen, et Tanu Nuchan Echona, de Shiva Eliona, Mehad Kafian Shrina, Hashem Atov Mesaoud, Ben Fortuna, et Chen, Wizbat, Hanina, Shayom, Yom Kudatam, רוח השם תנחנה בגן עדן עליון וכל השורבים עמם בכלל הרחמים והסליחות וכן יהיה רצון לומר אמן une fois de plus merci pour tous ceux qui ont acheté des shiurim ou bichlalam edna susan pour toutes ces demandes בעזרת השם ברכה והצלחה ישועות ונחמות אתנו au courant dès que sera né le divine enfant בעזרת השם כל טוב וחג שמח רבי חנניה בן הקשה מרצה הקדוש ברוך הוא לזכות